la première fois quand il a vu, bah, il a pleuré. Voir sa vie défiler comme ça en une heure et demie. Et surtout, ce qui l'a le plus touché, c'est de voir autant de personnes témoigner. 6h-9h, 6h-9h, la matinale avec Kim et Mona. Merci d'être avec nous sur Beurre FM et bienvenue dans cette matinale avec un invité de marque ce matin. Eh bien, nous rendons finalement hommage à un personnage parisien bien connu. D'abord, notre invité, c'est Kamel Azouz qui est avec nous. Tout va bien, Kamel? Très bien. Très heureux de t'avoir avec nous. Très à l'aise. Eh ben voilà, eh oui, l'homme de radio, madame Mona. Eh oui, un parcours exceptionnel. Je pense qu'il n'aime pas quand on dit ça. Mais non, bien sûr. Je pense qu'il est humble. Non, non, mais oui, mais après, les mecs de radio, sont, c'est à vie, hein, c'est-à-dire tu finis avec l'amour de la radio dans ton cœur. C'est vrai, ça. Ouais. C'est plus qu'une passion. Kamel Azouz donc est notre invité. On parle évidemment et bien de ce film documentaire L'Olivier Sauvage, un film qui retrace le parcours improbable donc de Méziane Azaïch, créateur du cabaret Sauvage. Et d'ailleurs, je rappelle que ce samedi 1er juillet donc à l'Institut du Monde Arabe à 20h avec le groupe Amzik, parce qu'il y a le concert d'Amzik. Il y a la projection du film. Et alors la belle histoire, c'est que il y a une opération spéciale pour l'Aïd, puisque à l'occasion de cette projection et de ce concert, pour une place achetée, eh bien c'est une place offerte. Eh ben oui, voilà, c'est l'Aïd, ah, donc là, il faut là, en profiter. Là c'est ça, on est dans les soldes avant les soldes, hein, je dis tout de suite. Oui, en plus c'est pour voir un film, assister à un débat à l'issue du film qui sera animé par Rabah Mzouen. Oui, et grand après journaliste. Un grand concert avec le groupe Amzik, cette formation extraordinaire qui reprend le patrimoine de la chanson kabyle. Oui. Et moi j'adore leur musique, hein, franchement. Ils c'est un groupe là. De scène et c'est des habitués de Beurre FM aussi. Exactement, hein. Ils étaient là il y a une quinzaine de jours à peu près, 3 semaines maximum, bah, assis à ta place, là, juste là. Ils étaient 2 sur les 3, hein, mais, oui. Mais voilà, en tout cas. Les 2 jumeaux Non, c'était le Khair un des jumeaux et, voilà, voilà. Et je me rappelle plus de son prénom, j'ai oublié, mais je le salue aussi. Nounour et voilà. Karim, je crois. Je vais exprès de te poser la question, oui, mais pourquoi l'avoir baptisé l'Olivier Sauvage? Très bonne question. C'est un Kabyle, Méziane, ouais. Non, j'ai regardé le film et je sais qu'il y a un bel Olivier au cabaret Sauvage et qu'il y a une histoire d'amour derrière, mais justement je fais exprès de te poser la question pour que tu l'expliques aux auditeurs. Alors, le titre, en fait, ce titre-là, en fait, il y a eu un déclic, c'était pendant la première semaine du montage. Parce qu'en fait, quand j'ai tourné, parce que le projet a été très long, le processus de création, il a duré 6 ans. Et j'avais travaillé avec un titre provisoire qui était Le rêve de Méziane. Mais moi, je savais pertinemment que ce titre, j'allais le changer. Il fallait. Et je cherchais un titre. L'identité, quoi. Voilà, mais un titre abstrait, absolument, Kim. L'Olivier Sauvage fait référence à l'identité en premier lieu. Et il y a toute une histoire autour de l'Olivier dans le film. Et l'Olivier, ça a une grande symbolique. Et ça caractérise aussi le personnage de Méziane. L'Olivier, c'est l'arbre. Et l'Olivier, c'est éternel. Oui, éternel. C'est l'arbre éternel. Et c'est l'arbre qui survit partout, en fait. Oui. C'est un arbre combattant. Et c'est, pour moi, c'est Méziane, l'Olivier. C'est son identité aussi. L'Algérie, la Kabylie, la Méditerranée. Toute cette qui en découle par rapport à son ouverture d'esprit aussi, sa curiosité sur le monde. Quelle a été la réaction de Méziane lorsqu'il a vu le film documentaire? La première fois quand il l'a vu, bah, il a pleuré. Parce que... et même moi, j'avais peur de sa réaction. Voir sa vie défiler comme ça en une heure et demie. Et surtout, je crois que ce qui l'a le plus touché, c'est de voir autant de personnes témoigner par rapport à leur collaboration à un moment donné avec Méziane, de voir ses propres enfants parler de lui, de voir des gens qu'il côtoie, des amis. Et ça, c'est... Je veux dire, même moi, j'avais peur de sa réaction. Et je comprends, hein, je comprends. Mais à chaque fois qu'il voit le film, Méziane est bouleversé. Et j'ai l'impression, à chaque fois qu'il le voit, parce qu'on a fait beaucoup de festivals ensemble, aussi on a participé à des débats, Méziane et moi, et j'ai l'impression à chaque fois il le voit pour la première fois. Et à chaque fois il découvre un aspect de sa propre vie. Et durant cette tournée en Algérie, j'en parlais tout à l'heure, on a passé, Méziane et moi, parce qu'elle a duré 15 jours, on a fait 5 villes, ça a été un rythme intense. On a passé énormément de temps ensemble, tous les jours, on prenait des avions dans des hôtels, etc. Et il m'a encore raconté
plein d'histoires. Et je lui disais, mais faire le deux. Voilà, non, voilà, j'ai de quoi faire encore deux ou trois films, quoi. Incroyable, un vrai personnage donc qui peut-être ce matin nous écoute et on l'embrasse très très fort s'il est à l'écoute. On le salue. On le salue. C'est un fort caractère, Méziane. Moi, j'ai eu le plaisir de le connaître. Je l'avais sollicité à deux reprises. Oui. J'ai produit deux événements chez lui. Un avec le roi du rail, Khaled. On avait fait un show TV concert là-bas. C'était un succès incroyable. J'y étais. T'y étais ? T'étais là ? Ouais, ouais, on avait fait gagner un billet d'avion là, un jeune qui était monté sur scène, qui avait chanté Didi, et qui était non voyant, qui avait chanté Didi au synthé, c'était incroyable. Et Khaled m'avait dit non, c'est lui qui gagne le billet. Il y avait plus de tirage au sort. Et deuxième, j'avais souhaité rendre hommage à Akhil Rahmo. Et là aussi, il avait répondu présent en me facilitant, on va dire, la tâche et l'accès au cabaret sauvage. Kim, Méziane Azaïch, il dit toujours oui. Et il donne la chance à tout le monde, en fait. Et c'est un des aspects de sa personnalité. C'est que lui, c'est un passionné. Quand on lui propose un projet, il prend des risques. Et des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien, mais c'est ce qui fait. C'est vrai qu'il produit des fois des spectacles de niche, hein, que j'appelle de niche, qui est pas réservé à une élite, mais réservé à des gens très pointus dans certains domaines, notamment autour de la musique algérienne. Oui. Quand je vois qu'il va dans un certain registre berbère ou Chabi algérois, etc., en faisant chanter des filles qui viennent, qui sont pas nécessairement dans ce registre-là, c'est incroyable les projets. Oui, il foisonne de projets. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le cabaret sauvage, c'est un lieu de création. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, je suis admiratif de cette personne. Parce que je me demande encore comment on peut travailler autant, on peut créer autant. Il ne s'arrête pas de travailler. C'est une machine de guerre, Méziane Azaïch. Et pour le bonheur de tous, en fait. Mais c'est hyper impressionnant la manière dont il travaille, puisque normalement, beaucoup de scènes, on va dire, françaises, essayent de grappiller, d'avoir des artistes un peu plus, on va dire, péchus, ayant une certaine notoriété. Et ensuite, il ferme un peu les yeux aux personnes un peu plus jeunes qui leur demandent une chance, alors que lui, j'ai l'impression qu'il fait pas du tout ça. Absolument pas, absolument pas. Il donne la chance à tout le monde. C'est quand même le mec qui est capable d'enchaîner une soirée où j'ai mixé avec des artistes maghrébins. Juste derrière, c'est soirée techno. Hein. Oui. Je te jure. Et pour la petite anecdote, je me rappelle, moi, la première fois que je suis allée au cabaret sauvage, je crois que j'étais toute jeune, et c'était pour assister à une émission d'Arthur. Et qu'il avait décidé voilà, de donner lieu à son émission qu'il avait créée lui-même au cabaret sauvage. Comme quoi, vraiment, ça touche tout le monde. Oui, il se passe plein de choses au cabaret sauvage. C'est impressionnant. Oui, il y a la finale de Top Chef qui a lieu au cabaret sauvage aussi. Et maintenant, il y a une terrasse. On a le week-end, vous allez au cabaret sauvage. C'est un spectacle dans la salle, à l'extérieur. Voilà. Bon, là, c'est parce que t'entends avec Gérard. Je crois que j'entends qui est passé avant. Il est pas mal. Bon, en tout cas, sur Beurre FM, on continue les 8h52. Il nous reste très peu de temps. Je vous propose d'écouter un autre extrait de ce film documentaire, L'Olivier Sauvage. Quand j'ai décidé de créer ce lieu, de faire construire ce lieu, j'ai cherché des noms. Je dis, mais ça ne peut pas s'appeler autrement que le cabaret sauvage. Et j'ai choisi de m'installer où on est aujourd'hui parce qu'on est loin de tout. On est loin du métro, on est loin des habitations, on est loin même du parc de la Villette à cette époque-là. Aujourd'hui, ça devient le parc parce qu'on a construit quelque chose. Eh oui, il a donné vie finalement à cet endroit qui était effectivement à l'écart de tout à l'époque. Il y avait pas grand chose autour. Hein. Mais maintenant, le cabaret sauvage fait partie intégrante du parc de la Villette. Bien sûr. Et c'est un élément très important du parc de la Villette. Le parc de la Villette est un ensemble où il y a un grand parc, mais aussi il y a un certain nombre de salles de spectacle, le Zénith qui est en face, la Philharmonie récemment, le Trabendo, petite salle de spectacle, mais aujourd'hui le parc de la Villette est aussi très connu par rapport au cabaret sauvage qui a fait sa place, il a pris racine.
Et ça fait 27 ans que ça dure. Ah, il l'a fait évoluer en plus ce cabaret sauvage. Il y a eu un peu de la rénovation tout en gardant le côté original de l'endroit qui est juste exceptionnel. Hein, et les gens, pour bien leur expliquer, certains confondaient en pensant que c'était cabaret comme on entend cabaret rail. Oui. Au bled. Non, rien à voir. Hein, rien à voir. Il a de nom de cabaret, c'est dans le sens cabaret, l'étymologie à l'ancienne. Les beaux cabarets français ou de Broadway, etc. Oui. Voilà. Oui, les gens comprennent bien. À cette configuration circulaire. C'est aussi. Ça, ouais, uniquement. Ouais. Et le bois, le rideau rouge, ouais. Les teintures. Ça fait référence un peu au monde de la nuit du cabaret. Le cabaret sauvage, c'est une salle de spectacle. Le temps passe vite, il est précieux. On voudrait quand même avoir aussi ton actualité parce qu'on parle à l'instant de ce projet. On rappelle d'abord, avant toute chose, que ce samedi 1er, à l'Institut du Monde Arabe, avec le groupe Amzik en concert juste après la projection du film, une place achetée, une place offerte. C'est à partir de 20h, hein, soyez là-bas un peu plus tôt. Il y a du thé, il y a plein de choses à côté, donc vous allez vraiment kiffer. L'Institut du Monde Arabe, c'est très très bel endroit aussi de Paris, dans le 5e. Et c'est une soirée, hommage à Mezian Azaïch. L'Institut du Monde Arabe rend hommage à Mezian Azaïch à travers cette soirée, avec un double événement. À 20h, la projection du film Olivier Sauvage, suivi d'un débat, et après, un grand concert musical avec le groupe Amzik. Et il y a cette promo spéciale Aid aussi, il faut en profiter. Exactement, il nous reste 1 minute 20 précisément. Tes actualités à venir ? Alors, je suis bien sûr en préparation d'un prochain film documentaire qui s'appelle Alger au cinéma. En fait, c'est la représentation de la ville d'Alger dans l'imaginaire des réalisateurs aussi bien algériens qu'étrangers, qui ont tourné à Alger, et la condition c'est que la ville d'Alger est un personnage du film. Il y a de très grands réalisateurs du monde entier qui ont tourné à Alger, comme Gillo Pentecorvo, Visconti, Costa Gavras, Alexandre Arcadi et plein d'autres, et plein de réalisateurs algériens aussi. Ça tournera autour de mon amour pour cette ville. Kamel, on pourrait rester encore plus longtemps avec toi, malheureusement le temps passe vite. Dans un instant, c'est AVS qu'on va retrouver avec Philippe Robichon, ça a parlé du pancréas, un sujet là aussi très sérieux. Merci Kamel d'être venu. Merci pour l'accueil. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. On a refait de la radio quelques années après. Et quelques kilos en plus chacun. Bah oui, tous les deux. Tu ne lui fais pas remarquer. Non, c'est mon pote, je lui ai remarqué. On se remarque quand même. Ouais, mais il y a eu la pandémie. Attends. Donc je comprends. Bonne excuse. Allez, merci à tous. Belle journée. On se retrouve à 16h. Ciao, ciao. Salam alaikum.